Silou. Anne Hidalgo a donc reconnu que les transports publics ne seraient pas prêts pour les JO. Et Valérie Pécresse a annoncé que le prix du ticket de métro allait doubler. Oui, alors on ne sera pas prêt, mais on sera plus cher. C'est sûr. C'est un nouveau concept from France. C'est le, c'est le confort de l'éco, mais au prix de la business. Un peu, c'est de chez nous, on est cocorico. Enfin, cocoricon pour les touristes, quoi, parce que c'est pour eux. Alors, vous ne serez pas plus mal assis, mais vous aurez un petit peu plus mal au cul quand même à cause du prix du ticket. Voilà. 800 000 personnes en sus par jour pendant les JO. Donc là, il faut recruter. Il faut recruter massivement des conducteurs, des techniciens, des contrôleurs. Même des pickpockets, parce que 800 000... Non, mais c'est vrai que c'est dommage pour les touristes qu'ils n'aient pas la chance de vivre l'expérience des papiers volés, du portefeuille volé, le tour au commissariat, ça fait partie du tour à Paris, quoi. Là, il y a aussi un autre souci, c'est même les frotteurs, ils vont être débordés, parce que les mecs vont dire, moi, 800 000, je sais plus où donner de la braguette, quoi. Et d'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce que le frotteur, quand il rentre chez lui le soir, il dit à sa femme... Oh, je suis crevé. Un monde dans le métro, j'ai frotté, Jean. La COP 28 s'est ouverte à Dubaï sous le feu des critiques. Le président de la COP, le sultan Al-Jaber, se dit prudemment optimiste. Ouais, déjà, le gars est lucide. Tu vois, il se fout de notre gueule, mais pas trop. Voilà, parce que c'est le pays le plus pollueur au monde qui organise, donc... C'est comme si demain, le Hamas organisait la bar mitzvah du petit Samuel. Moi, je ne dirais pas « je suis prudemment optimiste ». Je dirais « je suis intensément très inquiet, là ». Alors, vous avez vu que Anne Hidalgo est à Dubaï. C'est une bosseuse. Elle enchaîne Tahiti, Dubaï, elle n'arrête pas. Là, vraiment, il faut que tu lèves le pied parce que tu vas nous faire un burn-out. Puis attention au coup de soleil, un petit indice 50, tu vois. Il ne faudrait pas qu'elle nous chope un mélanome. Parce que nous, Parisiens, on est à l'abri du mélanome. Parce que contrairement à Anne, on habite à Paris. Mais non. Cette semaine, le monde politique a rendu hommage à l'ancien ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon, Gérard Collomb. Oui, Gérard qui avait découvert Emmanuel Macron en 2015 et l'Amérique en 1492 avec son frère Christophe. À l'époque, il n'était encore qu'un fringant quadragénaire plein d'ambition. C'est vrai que Franck, vous avez fait un très joli portrait de Gérard. Fils d'ouvrier et de femme de ménage. Oui, et c'était quelqu'un de sensible. Alors, agrégé de lettres classiques. J'allais le dire. Je l'ai marqué, c'est la suite de mon papier. C'est un sensible, Gérard. Sarkozy ou Darmanin, c'est un autre style de ministre de l'Intérieur. C'est plus Belmondo. Gérard, lui, c'était plus un Derrick, quoi. Emmanuel, je dois intercepter Redouane et Faïd. Je prends immédiatement mon téléphone à cadran pour aller contacter... Attends, le son, j'ai pas démarré. Oui, c'était long, hein. Ah, je me suis trompé, je vais en refaire un. Ouais, Redouane Faïd, il était déjà à Barcelone, tu vois, ça ne marchait pas. Les clubs. Ah oui, c'était la semaine des clubs, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui a donc annoncé que les cigarettes, le prix des paquets, allait augmenter à 13 euros en 2026. Le tabac, c'est à vous. Oui, le cancer du fumeur est en train de devenir une maladie de riche. Et maintenant, moi, demain, si je croise un copain, vous savez, quand ils ont le petit interrupteur sur la gorge, qui font la voix de Robocop, « Ça va, Philippe ?» J'irai, dis donc, monsieur se refuse rien. Allez, on fume. Non, mais ça... Étale-moi ton pognon à la gueule, il va dire, gros bâtard. En vrai, chez les buralistes, dès l'année prochaine, ils pourront vendre des munitions chasseurs. Oui, alors, le problème, c'est que les buralistes, ils font tabac, mais ils font surtout bar. Ils font bar-tabac. Donc, il y a des mots qu'on n'a pas envie d'entendre associés, en fait. Il y a des alliances qui fleurent bon le fait divers. Voilà. Comme par exemple, on va entendre des mecs qui vont dire, GG,
tu me remets un paquet de Marlboro, un calibre, un paquet de 28, là, calibre 28, puis une 7e Suze. Là, tu sais que ça a mal se passer. Alors, après la vente de munitions de chasse dans les PMU, moi, je trouve que c'est une bonne idée, économiquement. Parce que le chasseur alcoolisé, enfin, le chasseur, quand il a un peu bu, il a une visée un petit peu plus aléatoire. C'est-à-dire, il n'aura jamais le petit lapin, mais il va fumer une baie vitrée, une véranda, une Twingo, un abribus. Et ça, il va falloir le remplacer, le racheter. Donc, c'est très bon pour la croissance. Donc, comme disait mon ami Hugo Clément, vive la chasse.